Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Charlax. Et aujourd'hui on se retrouve, il est là pour SCP Secret File, un nouveau jeu SCP qui a l'air dantesque. Donc on va commencer direct, c'est parti. Je suis Karl. Karl Astana. Il y a quelques mois, je travaillais sur ma thèse dans un restaurant de Hell Street. Les tartes là-bas sont plutôt bonnes. J'ai sursauté lorsque l'homme assis en face de moi soudainement criait « Les tartes d'ici sont une vraie merde, comme un tas de vomi. » J'ai pas le temps de lire. Après avoir remarqué qu'il y avait d'autres tables vides dans le restaurant, j'ai dit à cet homme « Excusez-moi, je ne crois pas vous connaître, est-ce que je peux vous aider ?»« Écoutez, ce siège est occupé, trouvez-vous une autre table, compris ?» Voilà, c'est mieux, c'est la meilleure réponse. Sans répondre à ma question, l'homme a continué de parler tout seul. « Bon, écoute, alors voilà, vous allez bientôt être diplômé et clairement, vous avez besoin d'un travail, pas vrai ?» Eh bien, nous en avons justement un pour vous. L'homme s'est arrêté pour mettre de l'emphase. Un travail mystérieux et merveilleux. Merveilleux et mystérieux, hein? Ça a l'air intéressant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il m'a ensuite tendu une carte de visite. Les deux côtés de la carte de visite étaient noirs avec trois lettres imprimées nettement sur l'une de ses faces. SCP. Cliquez pour ouvrir l'enveloppe. Ah, monsieur. Cher monsieur Karl Astana! Félicitations pour votre adhésion à la Fondation SCP. La Fondation accorde une grande importance à vos connaissances et à votre expertise, et nous croyons fermement que vous êtes celui que nous y recherchons. Vous occuperez le poste d'archiviste assistant dans le département des archives, dans le groupe 3. Le directeur Schuckauer sera votre supérieur. Veuillez nous vous rendre au bureau de la sécurité au secteur Epsilon, le 1308... Oui, je sais lire le grec. Le 1308... C'est pas vrai. Le 1308-2022 à 9h pour récupérer votre badge d'employé. Nous sommes impatients de travailler avec vous. Département du personnel du site 105, Fondation SCP, sécurité, contenir, protéger. Bureau de la sécurité. On peut cliquer, c'est cliquable. C'est pour ça. Vous n'avez pas la souris, mais... C'était cliquable. Alors, on va voir. Écran noir. Ouais. Ouais. Grosse ambiance. Si, si. Ça charge, c'est quoi? C'est un chargement? Yes. Allô? Allô? Non? Bon, je l'ai pas mis sur un SSD, hein. Désolé. Il y a du son. Oh! C'est du jeu, ça? Non. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life has been upset. However, no matter how advanced our technology, no matter how great our scientific breakthroughs, there will always be anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from, or what their purpose is. On voit trop de trucs. These questions plague mankind and affect our daily lives. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. The SCP Foundation is committed to maintaining the normalcy of the world. J'espère que vous entendez bien. So that people may live free of fear. Oh la vache. While ordinary people live in the sunlight, we must fight anomalies in the shadows. We must prevent them from being exposed to the public. So that people may live in a rational and ordinary world. We secure. We contain. Ok. Gemzu Studio. Secure. Contain. Protect. SCP Secret File. C'est un FPS, c'est quoi? Moi, le jeu, j'ai juste vu des screens, mais les screens décrivent pas le gameplay. J'aimerais bien savoir ce que c'est le gameplay, tu vois. Putain, la musique! Ouais! SCP. Ah, attendez. Oh! CFS. La sensible. Ah, il y a des options. Attendez.
Voilà, là, la sensible est plus logique. On peut changer la POV ou pas? Non, bah restons comme ça. Ça c'est... Ok. Je peux courir, ok. C'est dantesque là ce qu'on vient. Bonjour. Carte level 1. Très bien, bonjour. Bonjour, je... Salut Mamuel. Bonjour. Ah, on va prendre le métro, ça y est, on y est. Entrée dans la pièce 914, d'accord. Bon, pour l'instant, le jeu est insane. Hein. Je vous le dis. Le jeu est insane. Hein. Le niveau de détail est incroyable. On dirait pas un jeu SCP. Hein. Là, c'est... C'est un autre monde. Hein. Je vous le dis. SCP Foundation. C'est là, c'est mon bureau, j'imagine. 913. Je vais regarder un peu s'il n'y a pas d'autres trucs. Stanley Parable, be like. J'ai pas de reflet. Les toilettes? Non. Alors, il y a une espèce de motion blur un peu gerbant, j'avoue. Mais bon. Ah, c'est un jeu d'énigmes! C'est mon bureau? Oula, c'est haut! D'accord. Et que dois-je faire? Comment m'assois-je? Ah, voilà. Démarrage du système SCPedia. Carl Astana, 52589, Institut de... Le MIT. Département des archives. Suivant. Vous avez accès à des documents confidentiels et des archives top secrètes. Veuillez confirmer que vous avez pris connaissance de nos clauses de confidentialité, que vous acceptez d'adhérer strictement aux régulations et directives de la Fondation SCP. J'accepte d'adhérer au... Oui. Bienvenue à la Fondation SCP. Oh non! C'est pas un jeu de gestion! C'est pas ça, la chute! En dessous de ma tête, il y a marqué Carl Astana niveau 1. Bienvenue à la Fondation SCP. Avant de commencer le travail, laissez-nous vous présenter le programme de bureau utilisé dans le département des archives. Chaque jour, votre supérieur assignera des tâches de module mission. Lorsqu'une nouvelle tâche apparaîtra, le bouton clignotera en rouge pour vous prévenir. La communication au sein du site s'appuie principalement sur le système de messagerie instantanée où les informations sont traitées avec un cryptage au niveau 2. Veuillez prêter attention aux rappels rouges clignotants et les consulter rapidement. Les formations sont un moyen efficace de partager les informations au sein de la fondation. La traduction est bien en vrai. Les nouveaux employés doivent d'abord participer aux formations qui leur sont dédiées avant de pouvoir commencer leur travail. Ce site présente les informations publiques de tous les sites du monde. Vous pouvez les consulter à tout moment. Nous arrivons à la fin de cette introduction. Nous vous souhaitons de réussir dans votre travail. D'accord. D'accord. Ok. Ami. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas moi. Bonjour à tous. En fait, la chute de ce jeu, c'est que ça va être Emily is away. C'est ça la chute. Oh, si c'est ça. Si c'est ça, c'est incroyable. MIT. SCP-999999, Emily, j'avoue. C'est qui Jonathan? Vous avez regardé Rick et Morty hier, toi? Attends, j'ai dit, tu plaisantes pas, vrai? Rick, on sait trop!
J'ai des raisons de penser que c'est la tendance à la pleine inflation. Mais Gen, c'est... Il est déter. Rick et Morty n'est pas un dessin animé pour gamin. C'est trop bien. Là, ce qui arrive est trop bien. Le jeu est trop drôle. Chuck Hower, je crois que c'est notre boss. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Ok. Il donne des missions à tout le monde. Quelle est ma mission, Dr. Hour? Directeur Hour. Qu'est-ce que je fais, chef? Exactement. Je garderai un œil là-dessus, chef. L'autre, il va parler. C'est Gen qui va répondre. Ok, on est le boss. C'est parti. Le docteur Ham, c'est qui? Je suggère de préparer un sac à vomi. Pas de soucis. Allez, vas-y, on va travailler. Comment on travaille? Retenez bien ceci, Karl. Restez sain d'esprit et soyez toujours sur vos gardes. Notification système. Information. Le cours pour lequel vous vous êtes inscrit sur le point de commencer. Veuillez rejoindre la réunion. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui arrive? Je crée un canal scripté. Ok. Une collection multijoueur? Comment ça, multijoueur? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. C'est multi? Il y a des gens qui vont jouer avec nous. What the fuck? Ah! Chargement froze. Just freeze. Pour l'instant, c'est très mystérieux cette histoire. Hein. On charge, je sais pas pourquoi. Logo SCP. Ok. On était dans un bureau à l'instant. Jason Carter is a death row inmate. Ouais. In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Ça ouf, hein. Upon completion of his work, ouais. He will be une chance sur 10 000 qui s'en sortent. Hein. Jason Carter is now. Je suis D503, c'est ça? On va jouer le mec? C'est ça le jeu? He's an egg, j'avoue un peu. On joue le mec? Ouais, on joue le mec. Ok. Ok, donc ça va se présenter sous forme de scénette, c'est ça? Bonjour. C'est bon, si le graphique pète un max, là, on est en mode dessiné. C'est moi ou c'est cel shadé là? Mais c'est trop stylé. Vas-y, je mets la tenue. Ah, j'ai regardé mes mains, il regarde lui-même. C'est trop stylé. Attends, mais il a l'air trop bien le jeu. Là, le jeu est d'ores et déjà un classique, hein. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est donc? Ah, Alien Isolation? Attendez. Je vais baisser le son du jeu parce que c'est super fort. On va le mettre à 70. Voilà, comme ça au moins. Ok, Alien Isolation. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Mais c'est vrai que c'est très beau là. Là, c'est un délire. Hein. Le jeu est délirant. Ok. Oh. Oui. D503 was given no clear instruction
task to be completed. He must find them out for himself. C'est trop bien. Non. Mais. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui... Attendez, le son est trop fort. Qui fait ça comme jeu? C'est quoi? Mais... Alors, il y a un radar, attendez. Merde. Qui fait ça? C'est qui a fait ce jeu? Un conteneur! Un camion! Mais qu'est-ce que c'est? On va où? Attendez, faut ramasser les déchets. Donc là... Là, c'est un jeu... Non, mais qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un, SCP, c'est un jeu CP, hein. Réservoir en plastique se décompose lentement même après une centaine d'années, un des déchets les plus têtus. D'accord. Bon bah voilà hein. On est éboueurs de sable, éboueurs de Tatooine. Oula. Non, j'avoue, on est où? On est où? On fait quoi? C'est là. Là j'ai juste l'impression d'être éboueur pour la fondation là. Oula. C'est au moment où tu mets des GPS dans ton rouleau de pour l'entrer dans le désert. C'est exactement ça. C'est quoi ça? Un pneu? Le pneu? Un pneu. Pneu abandonné rempli de sable depuis que les véhicules sont devenus le principal moyen de transport. De plus en plus de pneus sont abandonnés. Mais attendez. Va bien se passer des choses paranormales. Va bien y avoir un SCP. Ou même on est déjà dans le SCP s'il faut. S'il faut, ce désert est un SCP. Allez hop. C'est le camion le SCP. C'est ça le truc? Par contre c'est insane la lumière. Fix! Là ou là, là? Oh, calmez-vous. Par contre le jeu est énorme. Non, c'est toi parce que tu manges la déchaille. Oh mon dieu! Un bidon avec un signe de danger. Sa mission est d'empêcher des liquides dangereux de s'échapper. Il est abandonné après l'avoir accompli. Ok. On nettoie tout. Le vent sur le sable, c'est beau. C'est vrai que, ouais. Le jeu est énorme. Là, le jeu est magnifique. Hein. Les mecs se sont donnés. Je suis mieux, mais je suis désolé, hein, mais c'est mieux qu'SCP. Que SCP. Oh, j'ai cru que c'était un cadavre. C'est mieux que SCP Containment Breach. J'annonce. Je ramasse tout. Hop. Un tuyau en fer dont la valve est trop rouillée pour tourner, il aurait pu être recyclé, mais les humains ont préféré le tuyau. Ah, les humains. En même temps, il date le pauvre, c'est vrai. SCP Unity, lui, il avait de la gueule. Après, il y a l'autre jeu là, mais je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai dû me faire rembourser parce qu'il marche pas du tout pour PC. Barrière bleue, cette structure de support triangulaire est la plus stable, mais ne résiste quand même pas à l'érosion du désert. On a tout ramassé. Allez, Taïo. C'est bon, on a nettoyé tout le désert. Retournons. C'est pas là qu'on part. Si. Holy shit. Ok, on rentre dedans. Parti. Waouh. Mais il y a des cinématiques de fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je confirme l'incinération. On crabe le camion aussi, hein, visiblement. Et là, c'est nous qui crabons. C'est ça la chute. D'accord. C'est tout? C'est ça le SCP? C'est la tour le SCP? Et la Springtrap sort. Non mais c'est ça, à la limite. New Challenger. Ok, ah ok. SCP protocol mandates that D5. Ah, c'est une évaluation, d'accord. Psychological evaluation.
Veuillez passer l'examen mental de niveau 2 pour évaluer votre état mental actuel. D'accord. Ça fait un bruit incroyable, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais... Moi j'aime bien ce genre de petit jeu. Hein. Oula oula. Ah, les bruits sont plus forts que moi. Ouais, carrément. Mais c'est quoi? C'est Docteur Kawashima. Je suis quatrième. What? Ah, mais j'ai 30 jours. Ah, je peux manger. Mais j'ai faim. Give me a ye. Tiens, un hamburger. Attendez. Attendez, je vais baisser le son des bruitages. Tiens, un hamburger. Je mange. Oh bah non. Bah oui. Bah ouais, mais bon, j'ai rien d'autre à manger. Comment dodo? Il va nous faire spawner un lit? Ah oui. Eh bien, merci beaucoup. Ah. This was the first day D503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom ben oui. for a death row inmate? Ben oui, explique-nous. Hein? Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Hamm from Site 83. Welcome to today's training conference. Ok, c'est trop stylé. Today, le jeu I'm est... going to share with you c'est a n'importe project quoi. I've been working on called SCP-7457. C'est quoi? The desert you saw just now voilà, is SCP-7457. D-503 is a volunteer c'est who le we invited to help us SCP learn more début. About this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. Okay. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Hamm, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. Mais all the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from... shall we say, experiencing them? Okay. C'est bien que ce soit original, comme ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hello, Dr. Hamm. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D-503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. Quoi? SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it or they have their Attendez. Own rules. Même la Widor? Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching. Est-ce que la Widor c'est le SCP? Okay, let's move on. Non, jour 8. Ah, attendez. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence. On the eighth day. C'est bon, c'est maintenant. Donc ça c'est normal. Hop, hop. Elle laisse pas le même couloir. Si, c'est bon. On va courir. Et là il n'y a pas l'ascenseur. Peut-être que c'est ça l'anomalie, c'est que tu vois la vie en dessin animé. C'est ça la chute. Ce serait énorme. Oh!
Oula. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui est CP là pour l'instant. C'est le désert, c'est tout le système, c'est... Si c'est que le désert, je comprends pas, tu vois. Ok. Inmate. Quelque chose qui va m'attaquer. Je me chie dessus. Hein. Camion, j'ai moins peur. Et tu vois, on est une voiture. Si vous, la voiture va nous tuer. Hein. Le camion est ensorcelé. Oh, Jesus. C'est pareil, Dakar. C'est le Dakar, hein. Holy shit. J'ai peur. J'ai peur, j'ai le cœur qui bat fort, je sais pas pourquoi. Alors qu'il y a rien, il y a rien pour l'instant. J'essaie de comprendre. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est super fort. Le camion est un Transformers. Attends. Qu'est-ce que c'est? Une bobine épée d'un câble noir, elle est trop serrée pour voir ce qui est enroulé. Elle est plus lourde à transporter. 110 kilos. Quelle en air, personne ne sait pourquoi c'est compliqué à transporter. Ok. Et là, quand je vais le cramer, ça va hurler genre. C'est un mec. Je meurs d'un coup. Drifto, non. C'est bon. J'ai voulu drifto. C'était une blague Springtrap. C'est vrai que... Ouais. Bobine noire. Oula. M'arrive. Ah bon? Mais on a rien vu, y'a rien eu là. Je suis un jeu de... Je sais pas. Ah yes. C'est parti. Trois images, hein, ils disent. Ok. Normalement. Non, attends. C'est mieux ça. C'est mieux ça. Ok, 29 secondes. D'accord. 22. Ah, je mange pas! Je mange plus. Coupe 2, enfin. Et je dors. That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Et alors? On peut voir le rêve? Non. Mais comment ça, il rêve, c'est grave, je comprends pas. Oula. Mais c'est trop stylé. Mais attendez, le jeu est dantesque là. Qu'est-ce que c'est que ça? Cinématique, hein, je pourrais le faire. Et là, c'est l'île des morts. Halt, si tu nous entends.
What? On l'a déjà vu cette cabine rouge dans l'intro. Bah non, tu fous la bouffe par terre, j'avoue. Déjà, je pense que j'avais le choix de pas la bouffer. Hein. Parce que j'ai eu un trophée quand je l'ai bouffé. Ok. The eighth day marked a significant turning point. The start of SCP-7457. Vous entendez bien là le mec ou pas? On D-503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham? I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site 21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D-503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay. Our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D-503, we can monitor his reactions while also containing the trash. Okay. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential to the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Voilà. Good. Hâte de saouler maintenant. The effects of SCP-7457 on D-503 became most obvious on day 15. Il était presque. Je pense qu'il va pas finir les jours. C'est ça le twist. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est fini. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ça a été annoncé qu'on va mourir. J'ai un papier. C'est annoncé. C'est cool, bien évidemment. Il y a Denis Arnay, il le mène lui-même. Ah bah il s'est fait gobed hein. Oula. D-503 found a radar that perfectly resembled his own. Type Seconde Guerre mondiale, beaucoup de rayures sur l'écran et la poignée. Le récepteur ne fonctionne plus, on dirait qu'il a été enfoui dans le désert depuis longtemps. D'accord. Je continue ma vie. Et là je trouve mon cadavre du futur. Ce serait incroyable. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? C'est une bombe! D'accord. Eh bien, taillons-nous de là! Yodolé, yodolé, yodolé. Et là il nous attaque dans le bac. Le bobine. Mim. Je fais du camion. Putain mais c'est vraiment Rallye Dakar. Hein. Pour vous. Non il va crever je pense. Ou alors en fait, les bobines noires ça représente son esprit et petit à petit il fait. Mais c'est comme s'il y avait des râles en fait, j'ai l'impression. But then he encountered an incident. What? A sandstorm. Comment ça? D-503 walked in the sandstorm for a long time, but he
couldn't seem to find his way back. Ouais. Oh. C'est quoi? Il y a des câbles. J'ai pas de body awareness. Ok. C'est quoi? C'est un checkpoint? Le checkpoint? Bah c'est ma maison. Ouais voilà. Ou alors c'est pas ma maison, c'est la maison d'un mec. Oula. Ça part en Dishonored. Oula, c'est qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Toujours pas de body awareness. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui arrive? Quoi? Mais c'est quoi cette cabine? Lies. C'est très stylé l'extérieur. La mise en scène est insane, hein, je vous le dis. C'est un super walking sim. Oula, qu'est-ce qui lui arrive au monsieur? Oh mon dieu. Mais c'est horrible. Non, je me suis fait choper. C'est quoi ça? On dirait grave contrôle. C'est ça que ça me rappelle, contrôle. Mais c'est un film, c'est un film. Le jeu est un film. Of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. Yes, you. 503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results. High-level D personnel were analyzed at SCP 7457. That's right. None of the level D personnel at SCP 7457. Ah ouais, d'accord. En fait, ils sont tous morts dans le désert. Là c'est trop bien. Là le jeu est trop bien. Je suis choqué. Et en fait ce qu'on trouve depuis le début c'est des restes des mecs qui sont morts. Pardon? Quoi?
humans often believe that their fate is in their own hands. That all choices come from their own free will. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. Oh, il y a la cabine téléphonique. Là, je ne comprends pas tout, hein, mais c'est trop bien. Câble LED. Fibre LED. Je me suis fait fibre LED, j'ai la fibre. This is where D503's instincts led him. J'avais raison. C'était des mecs morts. J'avais raison. J'en étais sûr. Putain, en même temps prévisible. Oh, c'est bon, ça va. Et voilà. Kramed 503. Oui, non, c'était prévisible en vrai. Nice, CP. 48 days later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders. En vrai, c'est trop stylé là, le jeu. Severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 level deep personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. Et ça continue encore et encore. For the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you. Some may drive you crazy. Some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are. How accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Il est trop cool, ce mec. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Hamm, and this ends the first class of our employee induction program. C'est stylé. Fin du jeu. On peut noter.
J'ai compris que si je ne respecte pas les règles, ils m'injecteront des amnésies qui m'envoient chez moi comme Jonathan. Très bien. Mes amis. Et Karl, comment s'étaille? Quelqu'un aspirine, j'en aurais bien besoin. Et mon pote vomit pas par terre. Arrête de t'embêter. Arrête de t'embêter, Stuart. Karl, c'était seulement le début. Tu vas devoir apprendre à t'y habituer et vivre avec. Je comprends. Merci, je me sens beaucoup mieux. Yes. Je suis bienvenu parmi eux. Gen ne parle pas pour l'instant. Ah. Cette dernière a été une véritable torture. Je ne sais pas comment les autres ont fait pour supporter ça. J'ai tout raté pendant la saison d'entraînement. Je me suis jeté d'une falaise. Je suis tombé de l'onde glacée. Je me suis étouffé. Je ne sais pas comment je peux souvenir de ça parce que je me souviens d'être jamais allé dans les falaises ou dans les cascades. Mais je savais. Mais ça avait l'air si réel et je peux encore sentir le goût infâme de l'eau dans la rivière, dans ma bouche. Dans tous les cas, c'était mon premier jour à la fondation. Je dois me rendre à la cafétéria. Là et trouver quelque chose à manger. Mon estomac se sentirait peut-être mieux après ça. Oh, il va y avoir une security breach. À un moment. C'est sûr. Côté de Main Bridge. Un effet violent intro, un peu. Hein.